Les députés de la 8e législature sont officiellement installés. La cérémonie d'installation a eu lieu ce matin au palais des gouverneurs. Vous aurez le point dans un instant. La centrale d'achat des médicaments essentiels CAME au Bénin peut continuer de s'approvisionner auprès des industries locales de production. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenue ce mercredi 15 mai 2019. Et puis, des dizaines de milliers d'étudiants et d'enseignants à travers le Brésil manifestent pour défendre l'éducation et tenter de stopper les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les députés de la 8e législature viennent d'être installés au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Nous recevons dans cette édition l'un de nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale, Peggy Ludovic Dagba. Peggy Ludovic Dagba, bonsoir. Bonjour à vous, ravi à Peggy. Alors Peggy, dites-nous comment l'installation des 83 députés de la 8e législative, de la 8e législature a-t-elle eu lieu? Eh bien, à 10h10, le doyen d'âge, Wallace Zoumarou, a fait son entrée dans l'hémicycle. Il a fait procéder tour à tour à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle portant élection des nouveaux députés par Oru Séguéné, puis lecture des contestations qui ont été déposées devant la Cour constitutionnelle, les contestations, bien évidemment, des différents postes, j'allais dire des nouveaux députés. Et donc, cette lecture a été effectuée par le deuxième plus jeune de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Epiphane Renfort. Le secrétaire administratif de l'Assemblée nationale, lui, a procédé à la lecture du règlement intérieur en quelques articles. Après quoi, l'honneur est revenu au président du bureau d'âge, Wallace Zoumarou, de prononcer officiellement son discours, un discours qui lui a permis de féliciter ses collègues pour la combativité, car selon ses mots, ce fut très rude, eh bien, le combat qui les a amenés à l'Assemblée nationale. Hommage ensuite sera rendu au peuple béninois qui, de son avis, est détenteur du pouvoir législatif. Il remercie également ce peuple pour sa clairvoyance face aux péripéties des dernières élections. Ensuite, il a eu une pensée aux anciens collègues. L'homme, dans son discours, a déploré les agitations politiques dont le pays n'a nullement besoin, a-t-il dit, selon ses propres mots. Il a salué ensuite le gouvernement pour son désir de cultiver la paix et d'éradiquer toute velléité de déstabilisation. Wallace Zoumarou a ensuite revisité le rôle du député au Bénin pour leur demander de rester conforme aux missions parlementaires, notamment qui tournent autour de la vigilance de tout instant, voter des lois en accord avec les ententes du peuple et ensuite contrôler l'action du gouvernement. Wallace Zoumarou dira que la 8e législature doit s'inscrire dans la logique de relever les défis de la démocratie. Nous le saurons sinon dans quelques jours. Nous allons puiser dans notre force intérieure pour doper l'Assemblée nationale, les organes prévus, notamment le bureau de l'Assemblée nationale, a-t-il dit pour conclure justement sur cette question. Eh bien, il a consulté la plénière qui, après discussion, avant que prenne la décision de se retrouver demain à partir de 10h. Peggy Ludovic Dagba, dites-nous, en marge de cette cérémonie officielle, peut-on avoir une idée de l'ambiance qui a régné autour de l'événement? Eh bien, je dois vous rappeler, Horacio Adjozi, que c'est quand même dans une atmosphère tendue hein, que cette 8e législature, notamment, a été préparée. Je veux parler de l'installation. On a vu dans la ville un quadrillage systématique des périmètres de l'Assemblée nationale et même également en remontant un peu plus au nord, à l'entrée de la ville, par les forces de l'ordre qui ont pris clairement position. Je peux vous dire également que demain, à partir de Saint-Mai jusqu'à Porto-Novo, nous avons pu observer des bases hein, des forces de l'ordre pour pouvoir prévenir toute velléité. L'autre chose qui me paraît important à mettre en lumière, c'est donc l'ambiance vraiment bon enfant qui a régné avec la venue des députés entre 7h30 et 10h, où les nouveaux venus sont venus avec, bien évidemment, différents comportements, ne comprenant pas encore
vraiment les habitudes du lieu, alors ils ont dû comme se faire, j'allais dire, reconduire pour certains, mais d'autres se faire expliquer un certain nombre de choses. Et puis, le dispositif d'Amiga qui s'est présent hein, pour l'apprendre, le tout premier mot d'exercice ne fut pas facile pour certains, mais pour d'autres, c'est avec brio, parce que je vous rappelle quand même que c'est, en fait, 45 et 38, il y a 45 nouveaux venus et 38 anciens députés, donc c'est tout ceci avec, c'était très beau, on a pu visiter un peu l'état d'âme des uns et des autres et c'était dans une ambiance bon enfant, on peut dire. Vic Dagba, vous l'aviez dit tout à l'heure, le doyen d'âge a déjà convoqué les députés pour demain pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Mais y a-t-il un nom qui circule déjà sur le prochain président de l'Assemblée nationale? Ah, là, à ce niveau, je peux vous dire que les commentaires vont bon train, les propositions sortent de toutes parts, mais également les pronostics. Il y a des noms qui circulent déjà aussi. On parle de Chaka Lafia, actuel ministre de l'Intérieur. On parle de Alassane Seydou. On parle également d'autres noms, Abdoulaye Diochané, et j'en passe. En tout cas, il faut dire qu'à en pareille circonstance, c'est comme ça quand même que chacun y va de son argument, de ses arguments, pourquoi pas, de certains éléments en présence, pendant que certains pensent que le chef de l'État étant déjà du Sud, il faudra que la deuxième personnalité du Nord, de l'Assemblée nationale vienne du Nord, mais d'autres disent qu'il y a quand même quelques éléments politiques qui doivent peser dans la balance. Tout ceci reste encore de supputation et ce n'est que demain, si vraiment ils arrivent à élire le bureau, que nous en aurons une idée. Vous, Peggy Ludovic Dagba, pour ces détails relatifs à l'installation des nouveaux députés, eh bien, je rappelle que vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale. La nouvelle législature, avec un taux de représentativité très faible de femmes, conduira les destinées du pays concernant le vote des lois et autres actions durant les 4 prochaines années. Mais que pensent certains journalistes politiques de la configuration de la 8e législature? Élément de réponse dans cette analyse de Anno Mori Agua. Depuis le 2 mai 2019, les Béninois ont une idée claire de la configuration de la 8e législature après que la Cour constitutionnelle a rendu public les résultats provisoires des élections du 28 avril 2019, qualifiées de non inclusives et rejetées par les partis de l'opposition. Pour Marcel Zoumenou, le taux de renouvellement de la 8e législature est faible. Au total, on a eu 46 députés qui sont revenus. Ça fait un taux de renouvellement de 30,12%, je l'ai calculé tout à l'heure, un taux de renouvellement très faible. Cette observation s'explique selon Zoumenou par deux raisons. Le processus lui-même n'a pas permis à beaucoup de partis de compétir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le chef d'État qui a réussi à imposer ces deux blocs et qui sûrement a fait les positionnements, a voulu un peu récompenser ceux qui, lors de la dernière législature, l'ont aidé à voter beaucoup de lois qui sont aujourd'hui discriminées. La 8e législature ne compte que 6 femmes députées, soit un pourcentage de 7,22%, un taux plus bas que celui de la 7e. Notons que le record de femmes au Parlement qui peine à être battu est détenu par la 2e législature. On n'a pas connu d'amélioration par rapport à la législature passée. Il y avait un projet de révision de la Constitution et on avait inscrit que l'une des raisons pour lesquelles il fallait réviser la Constitution, c'était de donner des postes de responsabilité équitables aux femmes et aux hommes. Et on a été surpris de voir que sur les listes chapeautées par le chef d'État, c'est le nombre de femmes qui sont retrouvées n'atteint pas au total, même avec les suppléants, une vingtaine. Je trouve que par rapport à une population majoritairement, je crois on parle de 50 ou 52% de femmes, ce taux est faible. Contrairement au faible taux de femmes, la 8e législature enregistre une percée non négligeable des jeunes. C'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans, c'est mon critère de jeune, et qui viennent d'arriver dans le jeu politique béninois. Donc 4 ou 5 jeunes pour une population qui elle-même est composée à plus de 60% de jeunes de moins de 25 ans, je trouve que ce n'est pas assez représentatif de notre population. Nazaire César Vicou déplore l'absence de certains députés très expérimentés. Mathurin Kofinango, Idi Kola Wole, c'est des gens qui
vu leur âge, leur sagesse, leur âge sur le point de là, ils peuvent continuer à nous apporter beaucoup de choses. On a beaucoup d'anciens députés qui sont revenus et des députés sur lesquels les populations avaient des griefs profonds sont revenus. Et c'est là que je dis qu'il y a un petit regret dans le renouvellement de la classe politique. La 8e législature, acquise dans son intégralité aux actions du chef de l'État, est très attendue par la classe politique sur la délicate mission de contrôle de l'action gouvernementale qui sera désormais la sienne. Mesdames et Messieurs, nous recevons également dans cette édition Laurent Roland-Toninkès qui a sillonné les départements de l'Atlantique et du littoral pour s'imprégner de l'ambiance qui a régné au cours de la cérémonie d'installation des députés de la 8e législature. Laurent Roland-Toninkès, bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, faites-nous le point. Qu'est-ce qui s'est passé dans les départements de l'Atlantique et du littoral au moment de l'installation des députés? Alors, je peux préciser qu'actuellement, nous sommes du côté de Cotonou, dans le département du littoral, situation calme de la place du Mécan Rouge, en passant par l'extérieur du stade du littoral dans ce cours. Et même au QG, il y a presque tout du côté du centre national africain et universitaire, Université Koumada, situation calme, pas d'assouplement, personne, pas d'assouplement, comme je le dis, au niveau de Carrefour, au niveau de la stratégique de Cotonou. En tout cas, nous étions dans les communes du département de l'Atlantique, à la Ta, où là, on a fait le tour rapidement. C'est vrai, pas d'appuiement également, pas de tension. Les citoyens vaguent face aisément à leurs occupations. Mais en tout cas, on a rencontré dans la population des convois de militaires ou de policiers par endroits qui sont en train de faire des patrouilles. Donc voilà un peu de façon globale la situation qui prévaut dans les départements de l'Atlantique et dans Cotonou, le département du littoral. Merci à vous, Laurent Roland-Toninkès, pour ce point. Nous vous proposons maintenant de suivre, eh bien, mesdames, messieurs, le doyen d'âge de cette 8e législative. C'est l'honorable Wallis Zoumarou qui est l'homme. Suivez sa biographie que nous propose Maury Agua. Wallis Zoumarou est né en 1942 à Séméré, dans la commune de Waké. Élu de la 13e circonscription électorale sur la liste du Bloc républicain, il se révèle ainsi le doyen d'âge des 83 députés proclamés élus par la Cour constitutionnelle. L'alinéa 1 de l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose qu'au début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le doyen d'âge des députés qui met en œuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaque député dans les délais utiles. La première séance sera donc présidée par Wallis Zoumarou en tant que doyen d'âge. Il aura pour mission principale de conduire les travaux jusqu'à la mise en place du bureau de l'institution. Il succède ainsi à Rosine Vieira Soglo, âgée aujourd'hui de 84 ans et qui a gardé ce titre depuis la 3e législature de l'ère du renouveau démocratique jusqu'à la 7e qui s'est achevée ce 15 mai 2019. Je vous invite à suivre également le portrait du plus jeune député de cette 8e législature. Épiphane Sonayon Renfort, 32 ans, est le plus jeune député de la 8e législature. Positionné deuxième titulaire sur la liste de l'Union progressiste dans la 6e circonscription électorale, il fait ainsi une entrée triomphale dans la cour des grands à l'hémicycle. Il est l'un des premiers soutiens du candidat Patrice Talon lors des élections présidentielles en 2016. Épiphane Renfort porte sur les fonds baptismaux toujours en 2016 la Fédération des forces vives et démocratiques du Bénin, FEDEB. Secrétaire général de la coalition Bénin en route, né en août 2017, il assumera ce poste de main de maître jusqu'en novembre 2018 avant d'être appelé à mener le combat des législatives aux côtés de l'Union progressiste. Nommé directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports de l'Atlantique en avril 2018, Épiphane Sonayon Renfort reste à ce jour, il faut le dire, le plus jeune membre du bureau politique des deux partis ayant compéti lors des dernières élections législatives. Il jouera aux côtés du doyen d'âge le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Hommage à la cérémonie officielle qui s'est déroulée au palais des gouverneurs à Porte-Novo. Les populations ont exprimé leur attente vis-à-vis de cette nouvelle législature. Ils se sont prononcés au micro de Hayat Foui. Mes attentes
ne sont que la volonté de Dieu soit faite. Tout pouvoir vient de Dieu. Et la législature contrôle l'action du gouvernement. Je voudrais que cette législature soit installée dans la paix et dans la quiétude de tous les Béninois. Et que ces députés installés œuvrent uniquement pour le développement de notre pays et non pour, pour des volontés égoïstes. Et qu'il n'y ait de parti pris. Que des lois soient votées à notre nation, à ce peuple, à travers une bonne foi. Et qu'on ne vote pas certaines lois par pression. On attend beaucoup de choses de la 8e législature. D'autant plus que la 7e a essayé, mais notre attente n'est pas comblée de succès. Par rapport à la 8e législature, et nous les exhortons à faire preuve d'honnêteté, de sincérité dans leurs activités. Parce que pour pouvoir changer l'opinion dormante en ce sens que des gens ne comptent pas de trop sur eux, mais ils n'ont qu'à montrer le contraire et travailler, et c'est-à-dire assumer la responsabilité qui en sort les leurs. Car le rôle du député, c'est de voter les lois, contrôler l'action gouvernementale. Bon, je ne vais rien attendre de cette 8e législature. Je souhaite vivement que cette législature, tant critiquée, tant dévouée au sein de la population, puisse être aux hauteurs de cette tâche-là, de cette noble tâche, pour que le Bénin, tel que les gens le disent, qu'il soit révélé au monde, pour qu'il soit réellement révélé. C'est ce que moi j'attends d'eux, le vote des lois, le contrôle de l'action du Bénin, réellement. Je ne veux pas les juger, mais je veux les juger à la fin de leur mandat. Autre information à présent, la centrale d'achat des médicaments essentiels au Bénin peut continuer de s'approvisionner auprès des industries locales de production. C'est une autorisation à titre dérogatoire que lui donne le gouvernement. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 15 mai 2019. D'après le compte-rendu du Conseil, c'est une autorisation en attendant que les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur pharmaceutique n'aboutissent. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, autorisation à titre dérogatoire à la centrale d'achat des médicaments essentiels, CAME, pour s'approvisionner auprès des industries pharmaceutiques locales. À la suite des efforts déployés pour assainir le secteur pharmaceutique, le gouvernement, dans sa volonté de sécuriser les sources d'approvisionnement en médicaments dans notre pays, a retenu des critères spécifiques pour les fournisseurs. Ceux-ci doivent désormais, pour opérer sur le territoire béninois, justifier d'une certification de bonne pratique de fabrication et ou de distribution délivrée par une autorité de réglementation pharmaceutique d'un pays membre de l'International Conference of Harmonization, ICH, et ou d'une préqualification de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le processus de préqualification est en effet un service fourni par l'OMS pour évaluer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits médicaux en se basant sur les normes pharmaceutiques internationales. Par ailleurs, les réformes pharmaceutiques en cours devraient à terme permettre le développement de l'industrie pharmaceutique locale répondant aux normes et standards internationaux. Mais en attendant, le Conseil des ministres a autorisé la CAME à continuer de s'approvisionner auprès des industries locales de production qui en manifestent l'intérêt tout en exigeant la qualité recherchée des produits. L'intérêt de notre pays à accompagner ces industries pharmaceutiques locales réside dans la perspective de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. À cet effet, ces industries locales bénéficient d'une dérogation de 5 ans, au bout desquelles elles doivent fournir les preuves que leurs procédés sont conformes aux critères spécifiques fixés par le gouvernement. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la conférence Transform Africa Summit
à Kigali du 14 au 17 mai 2019, la 72e Assemblée mondiale de la santé et la 145e session du Conseil exécutif de l'OMS à Genève du 20 au 30 mai 2019 et la 18e session du Congrès météorologique mondial à Genève du 3 au 14 juin 2019. 60 tricycles ont été acquis au profit de certains acteurs du secteur agricole. Ce mercredi, 40 des 60 tricycles ont été attribués aux pépiniéristes d'Anacad sur le site de l'ATDA Polset, un appui du programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD, un programme du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est un reportage de Laurent Roland-Toninkes. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers son programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD, a acquis 60 tricycles au profit de certains producteurs agricoles. Ce mercredi 15 mai, à l'Agence territoriale de développement agricole Polset dans la commune d'Abomey-Calavi, 40 ont été attribués aux pépiniéristes d'Anacad. Cet outil est très important parce que dans le travail de pépiniéristes, ils ont besoin de cet appui pour le transport du champ de l'unité de production vers les acheteurs ou les lieux de vente pour pouvoir écouler et permettre aux producteurs d'emblaver de grandes superficies. Donc c'est un outil important dans la production. Outre ces 40 tricycles attribués, les 20 restants sont destinés à d'autres acteurs. Les 20 autres sont destinés à 3 acteurs. Dans le PROCAD, nous avons à appuyer des coopératives de prestation de services agricoles. Ceux-là ont droit à 6 tricycles. Nous avons à appuyer également des groupements de maraîchers. Ils en ont droit à 8. Et 6 autres acteurs qui sont des acteurs qui interviennent dans la production à qui nous avons donné les 6 autres. Donc ça fait au total les 60 tricycles. Les récipiendaires expriment leur satisfaction pour cet appui qui les aidera à produire mieux. Ils remercient également le gouvernement. Ça doit nous permettre de pouvoir nous-mêmes ramasser du terreau pour servir de substrat, pouvoir transporter le matériel, pouvoir distribuer les plants d'anacardier greffés, produits et pour lesquels souvent les gens ont des ennuis pour le ramassage et le transport. Le gouvernement tout entier mérite nos sincères remerciements. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, PROCAD, l'ATDA pour le 4, tous méritent nos sincères remerciements. Ils ont par ailleurs pris l'engagement de faire bon usage de ce matériel afin de bénéficier d'autres appuis du gouvernement. Précisons qu'avant ce don de matériel, ces pépiniéristes ont été formés au Ghana sur financement du PPAO, Programme de productivité en Afrique de l'Ouest, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Hors du Bénin, des dizaines de milliers d'étudiants et d'enseignants à travers le Brésil manifestent pour défendre l'éducation et tenter de stopper les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement du président Jair Bolsonaro. Notre président Bolsonaro a commencé à attaquer les cours de philosophie, de sociologie et de sciences sociales parce qu'ils veulent des citoyens qui ne pensent pas. Ils veulent transformer la population en une masse manipulée. Certains disent qu'il n'est là que depuis 5 mois et que ce n'est pas suffisant pour gouverner. Mais se faire ces choses lâches avec les retraités, les enseignants, les travailleurs, ce n'est pas juste. Nous sommes contre ce qui a été dit par Bolsonaro, que l'université est un gâchis parce que nous travaillons dur et que nous sommes ici pour montrer à travers diverses activités combien nous sommes importants dans notre société. La police bouque la zone près d'un bâtiment en cours de rénovation qui s'est effondré à Shanghai. Les autorités chinoises ont confirmé que les secours avaient mis 11 personnes en sécurité, mais 9 autres restent toujours piégées dans les décombres. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.